Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une merveilleuse forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller rechercher quels sont les messages de la personne de ton cœur. Voilà, la personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu regardes cette guidance. On va aller voir son état d'esprit vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation. Et voilà quels sont les messages qu'il ou elle a à nous donner en fait aujourd'hui. Allez, comme d'habitude, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. N'hésitez pas également à liker la vidéo, enfin même je vous invite fortement à liker la vidéo, tout simplement pour me dire que vous appréciez mon travail, pour soutenir la chaîne. Voilà, un like, c'est une gratitude qui me fait extrêmement plaisir et qui permet, pour le coup, à la guidance de remonter dans l'algorithme YouTube et qui permet à de nombreuses personnes de la découvrir. Voilà, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas déjà. Voilà. Également à commenter et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On commence, on se concentre. Voilà, qu'est-ce que cette personne a à nous dire? Voilà, il faut vraiment que ça te parle. Hein. On ne fait pas, on ne force pas avec de la guidance générale, qu'on soit bien d'accord. Allez, cette personne vis-à-vis de toi, là, à l'heure actuelle, vis-à-vis de toi, où est-ce qu'il ou elle en est? Ok, alors là déjà on a une personne qui veut un renouveau, qui veut un nouveau départ. Ok, alors là tu vois, je vois la serrure. Peut-être qu'il y a des personnes qui emménagent ensemble ou qui parlent d'emménager ensemble ou changement de domicile. En tout cas, il y a une certitude, c'est que tu tiens ton cœur entre son cœur, pardon, entre tes mains. Pour le coup, on a une personne, son cœur t'appartient. On a une personne qui réfléchit là à la situation, qui est à l'écoute d'elle-même, qui analyse énormément la situation, qui envisage les possibilités, j'ai envie de dire. Ok, quoi d'autre? Le 22 peut te parler, le chiffre 2, le 4, le 3, le 1, le 16, le 7, le 1, le 6. Ok, ton autre, c'est une personne. Je vois une personne assez autonome, ton autre. Voilà, une personne qui est assez libre, assez indépendante. Peut-être une personne qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, c'est possible. Ok, on me dit peut-être une personne qui exerce un métier manuel ou qui fait quelque chose avec ses mains, d'accord? Dans le soin également. On a une personne là qui est en train de... Vous guérissez un karma ou quelque chose, qui est en train de guérir quelque chose par rapport à toi, en lien avec toi. Tu amènes cette personne à se transformer, à guérir quelque chose. Ok, bon, on a une personne clairement qui est sous ton charme. Ok. Peut-être une personne qui joue d'un instrument de musique ou qui est mélomane ou qui chante ou une personne qui en tout cas est complètement sous ton charme. Il y a quelque chose en lien avec le regard, la manière dont cette personne te regarde. Ok. Ok. Là, on a une personne qui, pour avancer dans la situation, a besoin de voir loin en fait, tu vois. Je vois une personne qui se projette, qui est dans des projections futures. Alors peut-être pour certains, certaines qui a de l'espoir dans la situation, ok, dans ce nouveau départ, c'est possible. En tout cas, on a une personne qui a envie de récolter ou qui récolte énormément. J'entends quelqu'un qui est assez rentable dans sa vie, abondant, abondante, ok. Ton autre, c'est peut-être une personne qui parfois fait semblant ou est dans les faux semblants, dans le sens où c'est une personne qui
fait mine d'aller bien alors que il ou elle est préoccupé dans certaines situations. Une personne assez angoissée qui peut l'être. Peut-être que votre situation l'angoisse, c'est possible, ou certaines choses l'angoissent. Mais c'est une personne qui a la foi hein, dans la situation. Peut-être une personne qui prie hein, également. Ok. Par rapport à l'avenir de la relation, là j'ai envie de demander l'avenir de la relation pour ton autre. Parce qu'on voit le nouveau départ, on voit plein de choses. Ok. Alors c'est une personne qui peut-être est lasse de. Ah. Ok. Par rapport à l'avenir de la relation, là j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se sacrifie. Qui est comme un peu usée par rapport à certaines choses ou fatiguée ou de faire des efforts. Une personne qui peut-être. A besoin d'aide ou de soutien dans la situation. Ok, c'est particulier là ce qu'on m'envoie. Par rapport à l'avenir de la situation, c'est comme si on avait une personne qui se sacrifiait dans la situation. Ok, quoi d'autre? C'est son état d'esprit actuel. On a une personne qui est peut-être qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans la relation pour ce nouveau départ. Soit c'est par rapport à un mariage, très clairement, cette personne se sacrifie. Voilà, tu prends, tu laisses. Hein. Soit c'est une personne avec qui tu es mariée. Une personne avec qui tu as été mariée. Peut-être une personne de qui tu as divorcé, c'est possible. Je vois des communications qui prennent du temps là. Ok. On a peut-être une personne qui a des choses à se faire pardonner là. On a une personne là. Ouais. Ok. On a une personne qui a des choses à se faire pardonner, à libérer pour pouvoir se réconcilier. Alors, est-ce qu'il y a eu une dispute entre vous? Est-ce que. C'est une personne qui se sacrifie ou a un sentiment, le sentiment de se sacrifier. Tu vois, pourtant, on a une personne qui est dans le, qui a beaucoup d'attirance pour toi, qui est dans la séduction, qui est peut-être même dans la tentation, le flirt. C'est une personne qui envie de te dire oui, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de secret ou une déception ou une. Comme si cette personne, en te disant oui, elle trahissait quelque chose ou une personne elle avait peur d'être déçue dans la situation. Là, j'ai une personne qui communique pas vraiment ses sentiments ou qui ne dit pas les choses ou qui garde le silence. Alors, c'est peut-être une personne qui travaille dans le domaine de la santé, dans le domaine de la, dans les finances ou dans une profession réglementée. C'est une personne qui est spécialisée dans ce qu'elle fait. Ouais, là, j'ai une personne qui a de la peine, hein, qui est en isolement, voilà, qui essaie de se réconforter avec des amis, sa famille, enfin, des proches, un entourage. Tu vois, quand je fais les guidances, je choisis pas, je prends les cartes, les tarots au hasard. Et en fait, j'ai les messages qui me viennent comme ça, donc je ne choisis pas du tout le thème. Et là, je trouve ça assez lourd, quoi. C'est une situation qui est très pesante. Ok. Là, j'ai des personnes, pour moi, c'est peut-être une personne qui cache ses sentiments, ou qui cache son envie. Je sais pas. Tiens, j'avais une ouf.
Ah, c'est lourd. Ok, quoi d'autre? Je sais pas quoi te dire, quoi. C'est une personne qui est en pleine confusion par rapport à la relation. J'ai beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Une personne qui se sent prisonnière de sa vie. Il y a quelque chose en fait qui dans sa vie ne lui convient plus. C'est une personne qui a du mal à se décider pour tout chambouler, pour changer les choses et qui se sent pieds et poings liés. Hein. Tu vois, c'est une personne qui n'est pas prête là à franchir le cap. Trop de choses à régler, trop de choses à qui l'entravent en fait pour avancer vers la relation ou avancer ensemble avec toi. C'est fou, hein. Ah, ça me fait trop de peine. Je suis désolée parce que là, j'ai une personne qui t'aime, qui a des sentiments pour toi. C'est un début de relation. Enfin, voilà, c'est une personne qui vraiment t'aime. Voilà. Pour qui entre vous, c'est extrêmement fort, mais il y a quelque chose de très particulier entre vous. C'est fort, c'est intense, mais c'est une personne qui n'a jamais connu cela auparavant. Et pourtant, il y a cette attirance, il y a ce lien, mais il y a une personne qui se sent bloquée dans la situation, qui n'est pas prête en fait à tout révolutionner pour être avec toi. Voilà, c'est très clair, c'est exactement ce que j'avais. J'aime pas parler de soit de triangulaire, soit de relations cachées, secrètes, soit tout simplement personne avec qui tu as été, avec qui tu voilà, avec qui tu n'es plus ou avec qui tu ne peux pas être pour le moment parce que cette personne, peut-être qu'elle est seule, hein, qu'elle est célibataire, mais il y a trop de choses à régler dans sa vie en fait. C'est comme si le fait d'être avec toi la forcer à renoncer à quelque chose, tu vois. Et de manière générale, dans la vie, voilà, forcément, quand on dit oui à quelque chose, on renonce à quelque chose d'autre, hein, c'est évident. Mais là, c'est une personne qui est peut-être fatiguée, lasse de la situation, qui est dans une situation très compliquée. Pourtant, cette personne garde espoir, mais il y a des choses que cette personne ne peut pas dire ou n'ose pas avouer, n'ose pas dévoiler. C'est assez lourd et pesant comme situation. Je sais pas, je pense que c'est une personne qui est en pleine confusion, qui a des décisions compliquées à prendre, mais qui là n'est pas encore prête à les prendre. Il y a quelque chose derrière en fait. Il y a quelque chose qui fait que cette personne a besoin de temps, quoi. C'est hyper lourd, ces énergies. Tu vois, j'ai envie d'en sortir d'ailleurs. Donc je pense que c'est une personne qui va pas super bien. Peut-être une personne qui déprime, ou qui est triste, ou de la situation. Une personne pour qui c'est lourd, c'est pesant, c'est angoissant, c'est. C'est vraiment pas cool, quoi. Ok, mes amours, je fais pas souvent ça, mais voilà, c'est. Je vous ai fait la guidance, je la mettrai en ligne parce que voilà, ça doit concerner certaines personnes. C'est pas facile pour ton autre. C'est une personne qui est vraiment dans la confusion, dans les doutes, dans les angoisses, dans la tristesse. Enfin, je sais pas, c'est très lourd et pesant, assez sombre. Peut-être une personne qui traverse une nuit noire de l'âme dans la situation que vous êtes en train de vivre. Je vais sortir de ces énergies du coup parce que voilà. Ouais, tout va bien. J'espère que tu auras eu les réponses, que ça t'aura apporté, voilà, des réponses à tes questions. N'hésite pas à nous le partager en commentaire. Moi, je t'invite vraiment à prendre soin de toi dans la situation, à laisser cette personne savoir où elle en est, d'accord? À te préserver aussi de ces énergies-là parce qu'elles sont très très lourdes. Donc voilà, mes amours, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour. Et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Mais voilà. Et à faire quelque chose de joyeux après cela. Voilà. Je pense que ça ne doit pas être facile pour toi non plus. Donc voilà. Donc je t'invite à faire des choses qui animent ton enfant intérieur, qui te font du bien. À être dans des élans de créativité, à sortir, à danser, à chanter, à
faire des choses joyeuses, à regarder des choses qui te font du bien, vraiment. Passer du temps avec tes enfants ou avec des enfants ou avec tes animaux de compagnie, ton animal de compagnie, des personnes que tu aimes, voilà, vraiment. Et concentre-toi sur toi dans cette situation-là parce que cette personne a vraiment un travail à faire sur elle-même ou est en train de travailler des choses très lourdes. Voilà, on se quitte là-dessus. Je vous embrasse bien fort, je vous aime.